Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Il y a 8 ans, Parrot lançait l'AirDrone. C'est un drone multirotor qui a complètement démocratisé ce type d'appareil dans le grand public avec un modèle stabilisé qu'on pouvait piloter depuis un smartphone. Moi j'en ai toujours un qui fonctionne encore. Depuis, d'autres constructeurs se sont mis sur le marché du drone multirotor. Et on peut dire que Parrot s'est fait un petit peu distancer, notamment par le rouleau compresseur DJI. Enfin, 8 ans après l'AirDrone, Parrot nous propose un cannery rotor compact, équipé d'une nacelle pilotable, stabilisée mécaniquement sur deux axes, avec des bras pliables, un poids plume, une autonomie étendue et quelques fonctions inédites. Donc sur le papier, des fonctions et des caractéristiques alléchantes qui ont le potentiel de raviver la compétition, et pourquoi pas de bousculer un petit peu la situation dominante de DJI. Maintenant, il reste à vérifier que ce nouvel Anafi est à la hauteur des standards actuels en termes de performance et de qualité. Et ça, c'est pas gagné parce que la concurrence a mis la barre assez haute. Dans cette vidéo, on va parler des spécificités du drone Anafi, principalement de sa caméra et des choix de conception en matière d'aéronef. Ensuite, on verra comment Anafi se positionne dans l'offre du marché par rapport à des drones qui sont sur des plages budgétaires à peu près similaires. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le drone Anafi suite aux différents essais que j'ai réalisés depuis une dizaine de jours. Donc en premier, on va parler de la caméra puisque la finalité de ce produit, c'est la prise de vue aérienne. Alors tout d'abord la nacelle, donc elle est stabilisée mécaniquement sur deux axes, sur le tangage et sur le roulis. Il n'y a pas de troisième moteur sur le lacet. Les mouvements parasites sur cet axe sont absorbés par un système passif, plus un traitement numérique de l'image. Le capteur est un Sony de 21 mégapixels, de format 1 sur 2,4 pouces, sa diagonale mesure 7,5 mm, donc ce capteur est légèrement plus petit que le très répandu 1 sur 2,3 pouces qu'on trouve sur les drones concurrents. Donc en même temps d'être plus petit, il offre une résolution nettement supérieure, ce qui implique une surface de photosite assez réduite, ce qui devrait impacter la sensibilité de ce capteur. Alors le drone Anafi propose trois fonctions inédites pour ce type d'appareil. La première, c'est un zoom pilotable progressivement. Ensuite, on a une fonction HDR et enfin, on a une nacelle capable d'être orientée vers le haut jusqu'à plus 90 degrés. Alors, si je prends tout d'abord le zoom pilotable est une fonction facile d'accès permettant des effets créatifs assez innovants. Le zoom exploite la définition du capteur qui est supérieure au format 4K. Donc ce zoom, il faut l'utiliser avec modération parce qu'on va pouvoir observer une dégradation de l'image et des mouvements sur l'axe de lacet si on zoome trop fort. Également, l'effet du zoom sur une photo, c'est simplement un recadrage. Maintenant, parlons du mode HDR. Clairement, il produit une image pas très naturelle. En tout cas, à ce stade, moi, j'ai pas été vraiment convaincu par l'HDR du drone Anafi. Enfin, la nacelle orientable vers le haut est une réelle nouveauté dans ce type d'appareil. Cette faculté de la caméra à être orientée vers le haut permet des angles de vue et des mouvements de caméra inédits. Et de plus, le fait d'avoir dû dégager le plan des hélices du champ de vision de la caméra, quelle que soit son orientation, ça nous garantit que, quelle que soit l'assiette du drone et quelle que soit sa vitesse, on ne voit jamais les plans d'hélices en haut de notre image. Donc ça, c'est un effet positif collatéral intéressant de cette configuration. Maintenant, parlons des choix de conception de Parrot en matière d'aéronef, en matière de drone multirotor. Donc clairement, Parrot a misé sur la légèreté et sur l'efficacité énergétique. Alors, un poids plume de 320 grammes associé à des hélices très bien dessinées font que le drone Anafi est capable de voler 25 minutes réellement avec seulement 20 watts tout en produisant un niveau de bruit bien inférieur à la concurrence. Sur le critère de l'efficacité énergétique, du bruit et de l'autonomie, le drone Anafi surpasse largement le Mavic Air.
Au sujet de la radiocommande du drone Anafi, elle n'est pas d'un esthétisme redoutable. Elle fait un petit peu jouer. Cependant, elle reste très pratique à utiliser. On aurait aimé voir des manches dévissables, bien plus pratiques lorsqu'on met la radiocommande dans un sac à dos bien rempli. Ce que j'aime bien sur cette radiocommande, c'est la mise sous tension automatique lorsqu'on déplie le volet. C'est la position du smartphone au-dessus de la radiocommande. C'est un ensemble de fonctions facilement accessibles. Et puis également, on a un bouton de décollage et d'atterrissage. Donc maintenant, le bilan des faiblesses du drone Anafi, selon moi. Tout d'abord, sa conception ultra légère. L'Anafi demandera un petit peu plus de soin dans sa manipulation. Alors au sujet de la finition, elle est correcte. Je pense qu'elle est un cran en dessous des standards actuels à ce niveau de budget. Personnellement, j'aurais préféré une finition un petit peu plus premium. Donc après, je le mentionne, le drone Anafi est dépourvu de capteurs anti-collision devant et derrière. Alors c'est vrai que ça peut amener un peu de tranquillité dans certaines situations. Cependant, je rappelle qu'il faut éviter de se reposer sur ce genre de dispositif qui aujourd'hui ne garantissent pas une sécurité absolue. Enfin, en basse lumière, par exemple le soir, ce capteur ne fait pas de miracle, il produit une image peu exploitable, mais ça, on pouvait s'y attendre. Donc l'appareil est bien stabilisé sur ses axes et malgré son poids plume, il se défend bien dans un vent soutenu ou une masse d'air turbulente. En revanche, Parrot doit améliorer le maintien de la position géographique près du sol qui, j'imagine, hybride la position GPS et le système de vision, car en l'état, l'appareil a tendance à se promener un petit peu et on est habitué à mieux. Alors concernant la batterie et son temps de charge, tout d'abord, je dirais que l'utilisation de l'USB-C, c'est une bonne idée parce que ça va dans le sens d'éviter la prolifération des chargeurs et des alim qu'on accumule à la maison. Ensuite, le temps de charge, il va réellement dépendre de l'alimentation que vous mettez en amont. Si vous avez une alim de 8 watts, il vous faudra quasiment 3 heures. Si vous avez une alim de 20 à 24 watts, vous êtes au niveau de l'heure de recharge, ce qui est tout à fait dans les standards. Parrot ne livre pas d'alim avec le drone Anafi. Donc sur ce point, le temps de charge, on ne peut pas dire que ce soit proprement parlé un problème lié au drone ou à sa batterie, mais uniquement lié au type d'alimentation que vous avez à disposition. Maintenant, je vous livre les points forts. Tout d'abord, question prise de vue, question image. Si les conditions de lumière sont normales, donc on a une image de bonne qualité, bien définie avec un très bon piqué. Le point suivant, c'est le poids plume du drone Anafi qui permet une autonomie vérifiée de 25 minutes qui allège le sac à dos en randonnée et qui réduit l'inertie et l'impact en cas de crash. Le point fort suivant, selon moi, c'est le design des hélices qui génère un niveau de bruit bien plus faible que les appareils concurrents et ça, je peux vous dire que c'est bien plus agréable pour vous et également pour l'entourage. Et le dernier point fort que je mentionne sur le drone Anafi, c'est sa caméra orientable vers le haut qui permet des contre-plongées, des mouvements de caméra inédits, mais également des prises de vue sous des infrastructures, aussi bien pour de l'inspection que pour de la photogrammétrie. En conclusion, après l'analyse des chiffres et 10 jours d'essai, Parrot nous démontre sa capacité à développer un appareil facilement transportable, produisant de très bonnes prises de vue, est capable de concurrencer le Mavic Air de chez DJI. Anafi est perfectible en termes de finition, il doit se bonifier avec des mises à jour logicielles, cependant il produit une image de très bonne qualité et Anafi distance franchement la concurrence en termes de niveau sonore, d'autonomie et d'efficacité énergétique. En conclusion, j'espère que tous ces éléments vous aideront à vous faire votre propre avis sur le drone Anafi de chez Parrot. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.